Donc, re les gens, re la compagnie. Donc, ici, on va se retrouver pour une autre découverte. Donc, oh, ça a l'air cool. Ah, Super Sentai, non, quand même pas. Donc, découverte de Cosmopolis Galivan. Donc, j'ai pu récupérer une ROM traduite en anglais. Ça a l'air sympa. Ah, bah ça va nous aider. Re. Oh, mesdames et mesdames. Ah, ça a l'air bien sympa. Cosmopolis Galivan, donc. Alors, c'est. Comme vous avez peut-être remarqué, c'est des jeux que j'ai fait voter via le Pixul, donc. Salut, Ajuster 3. C'est un jeu que j'ai fait voter via le Pixul, donc, et que c'était le grand gagnant, tout simplement. Cosmopolis Galivan. Et que ça a l'air bien, ça a l'air bien. Déjà, les premiers visuels ont l'air vraiment pas mal du tout. Je suis directement sur Continue Star. Bon, apparemment je peux pas bouger, bah c'est pas grave. Allez, soit on va commencer tout de suite donc. Oh, la musique elle a l'air cool. Alors j'espère que vous entendez bien le son de la musique. Alors hop, on se bat. Ok, attends. On peut attaquer. Est-ce qu'on peut attaquer en bas? Non. Ok, donc on a des positions accroupies, d'accord. Bouton. Ok. Ah, il y a de l'expérience, il y a tout ça. Ah, ça. Ça a l'air cool. Bouton sect. C'est quoi ça, le bouton sect? Je suis pas sûr de comprendre, mais c'est pas grave. C'est sûrement une deuxième arme. Donc, bon, déjà ici, on a le. Ok. Ah! Voilà. Ah, ça a l'air cool. Et je peux ramasser, s'il te plaît. Ah, il faut taper pour ramasser, d'accord. C'est un peu bizarre, mais si tu veux. Merde. C'est chaud hein, de les toucher. En tout cas, putain, la musique, mais elle est excellente. Ma gueule, elle est excellente. Je vais monter un peu le son de mon côté. Excusez-moi de cette petite interruption concernant le son, l'OST. Voilà. Ça a l'air cool. Putain, on dirait des passages comme dans les Castlevania, donc Aria au sort tout ça. C'est la porte qui te fait dire, ah, il y a quelque chose à côté. Alors hop. Ok, donc c'est comme dans Bionic Commando. Et bon appétit, mon cher Vincent. C'est comme dans Bionic Commando, le système d'ascenseur là. Attention! Pfft! Non, quand même pas. Alors, qu'est-ce que. Oula. Bonjour. Bonjour monsieur. Ok, donc. Oula putain, l'ascenseur est parti. Apparemment, je ne peux pas ouvrir pour l'instant. D'accord. Oula, c'est quoi ça? C'est un ennemi ça? D'accord. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on ramasse au fur et à mesure, mon dieu. J'ai eu un peu peur. C'était quoi cette chute? Et je sais. J'ai pas vraiment regardé. Où est-ce qu'était ma barre de vie? Attends, GP, CP, HP, d'accord. Ça va, je viens de voir. Mais c'est quoi ces cadavres là? Ok, donc le. Ah, ok. Donc la deuxième commande c'est pour parler. D'accord, je l'aurais su avant. Ok, a blade at level ice, a maximum power. Oui. Donc je dois essayer de monter mon niveau pour être plus puissant. Merci Captain Obvious. Ça me paraît un peu logique. Et toi, qu'est-ce que tu fous ici? J'ai ça, je dis rien, hein, mais bon. Ouah, putain. Sont chiants tes plantes. Hein. Là, par contre, j'ai plus de vie. Putain, mais. Eh, mais c'est des batailles épiques, hein, ce jeu, putain. Quoi? Quoi? Comment ça, je suis mort? Eh, tu te fous de ma gueule? Eh non, 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 je suis pas d'accord.
Et puis c'est déjà assez dur de les toucher les ennemis là. Faut attendre que le pattern parte. Et après on le défonce, d'accord. Ah, je suis un mort, c'est sûr. Apparemment, tu ramasses plus les améliorations d'armes. Je sais pas du tout comment je suis mort, honnêtement. On peut rien faire ici. Apparemment non. Donc bon, on va aller voir un peu plus au-dessus. On va essayer de parler à l'autre là. C'est vrai que je lui ai pas vraiment parlé. Bonjour. You came, weapon and item local crystal power. Defeated enemy group CP capsule. Give you TC per ray. I can't destroy Red Gate. You can return peace to the universe. D'accord. Hyper ray, mais je m'en sers comment de l'hyper ray? Pas encore mon cher Itachi. Hyper ray, c'est... Quand je récupère. Ah d'accord. Enfin, c'est bien, j'ai récupéré l'hyper ray. C'est bien, mais j'utilise comment? Ça demande 5 CP, d'accord. D'accord, donc c'est dans la deuxième position. D'accord, d'accord, ça va. Toujours bon à savoir. Il a l'air cool ce Cosmopolis Gallivan. Vous allez voir que tantôt, durant la soirée, on va faire des jeux bien plus sombres. Vous en faites pas. On va faire des jeux bien plus sombres sur NES. Donc j'ai récupéré 30 CP. On est d'accord qu'avec 5 CP, je détruis une porte. Hein. C'est ce qui a été dit. Mais... Mec ! Il m'a dit que je pouvais détruire les portes si j'avais 5 CP. Ah bah voilà ! Mais c'est pas 5, mais c'est 15 qu'il me faut. Non, alors. Mais tu fous pas de ma gueule, connard. Eh, mais il fout carrément de ma gueule, hein. Waouh, putain. Mais la musique, elle est bien entraînante. Franchement, j'adore. Ah, level up. Ah, tu récupères pas tes HP ni rien quand tu level up. Voilà. Il y a un truc qui est bien. Quand tu attaques, tu te reposes directement sur le sol. Fais hop, top, voilà. On se repose, mais d'une façon. Sur... Oula. J'ai plus de tonnerre de Zeus, merde. Enfin, moi, j'appelle ça honnêtement des tonnerres de Zeus. Hein. Oh. Comment ça, tu m'attaques au travers du mur? Ah, bon courage, Sasuke. Ça a l'air bien sympa, ça a l'air vraiment super. J'ai du bon, il y a du bon, il y a franchement du bon, honnêtement. Je garde que du bon sur ce jeu pour le moment. Il y a quand même un peu d'exploration, ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. C'est un aspect que j'apprécie beaucoup dans ce genre de jeu. Si je vais là, oui. Ah. Ouais, alors du CP, d'accord. Alors lui, ce sera toujours la réserve de CP. Hein. J'ai l'impression qu'on est bien d'accord là-dessus. D'accord, allons-y. Oula, oula. Mais j'ai presque envie d'aller me télécharger l'OST du premier stage parce que je l'ai trouvé exceptionnel l'OST. Franchement. Aïe. Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud comme jeu quand même. Putain. Putain, je spam comme un abruti.
Puis les ennemis, le truc qui est vraiment assez incroyable, c'est que tu fonces dessus en fait, ils auront forcément le réflexe de reculer quand tu t'approches d'eux quoi. Alors ça c'est le genre d'ennemi bien bâtard auquel tu vas t'approcher comme un con, et que après mais tu vas en prendre plein ta gueule quoi. C'est vicieux. Alors là en l'occurrence c'est lui qui s'est pris plein... Oh c'est bâtard ce niveau. Oh c'est bâtard ce passage, parce que tu peux pas sauter, tu peux rien faire. Génial. J'ai crevé. Oh, c'était bâtard. Crève. Voilà. Oh non, mais... Eh, franchement, celui qui a signé pour faire les niveaux, mais franchement, mais t'es un enfoiré. Oh, le positionnement des ennemis. Mais je peux rien faire. Mec, je peux rien faire ici. C'est impossible d'esquiver. Merde, quoi. C'est quoi ce truc? Bon, je vais juste apprendre les HP, on sait jamais, bien sûr. Regardez-moi ça. C'était pas magique ce moment. Ah, l'ascenseur qui me bloque. Ça c'est bâtard aussi, hein, l'ascenseur qui te bloque parfois. Ah, c'est pas tellement ça, tu vois, mais. C'est surtout que moi, ça me. Le positionnement était tel que moi je pouvais pas fuir en fait. Et que bah forcément, puisque l'ennemi utilise un truc pour bien te poursuivre, tout ça. Bah tu l'as un peu dans l'os hein. Merde. Là comme Peter Pan, ouais. Ok. Ah on reprend son niveau d'origine, ça c'est bien. Je préfère ça quand même. On voit que c'est la découverte, hein. On voit que c'est la grande découverte, mon dieu. Alors j'espère que c'est fluide de votre côté, j'espère que la qualité est au rendez-vous. J'espère que la 4K native est activée de votre côté, n'est-ce pas? Bon, je vais récupérer des mumus chez lui. Oh, tu sais jamais quand il va cracher sa boule. Voilà. Apparemment, j'ai déjà quelques drops d'images perdues. C'est pas bon signe. Tout est bien, nickel. Alors. Oh, des HP. Yeah. Voilà. Donc, contre les verts, je pense que je vais utiliser ma fameuse technique hein, d'attaquer au loin. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Hop. Non. Ok, ça a été calculé pour exprès en plus. Oh, les gros bâtards, quoi. Des gros bâtards de développeurs. S'il te plaît, quoi. Tu sais pas bouger, tu sais rien faire. C'est... qu'est-ce qu'on s'amuse? Putain, enfoiré. Yep, encore du CP, ça c'est pas mal. Je vais quand même aller voir au-dessus, ce qui se trame un peu. Oh non, pas... Oh, oh les bâtards. Oh, bande d'enculés de développeurs. Ça va, vous vous sentez bien les développeurs de faire des passages aussi fourbes comme ça? Putain, je regardais le chat et forcément... T'as même pas le temps de regarder le chat avec un jeu pareil. Putain. Ça ne peut pas se détruire. Alors que c'est les mêmes murs. Ok. Ok, si tu veux. J'ai eu peur que ce soit un verre. J'ai eu peur que ce soit un verre. C'est sûr qu'avec eux, on voit des verres et des pas mûrs. Mon dieu, blague de merde. Deux chemins possibles, donc toi. Te Metal Blade, ton damage de boss. Oui.
donc mon épée ici. Ok. Ou alors je dois augmenter au maximum mes capacités. Pas de soucis. Oh non, j'ai... Oh, j'allais pas gâcher des munitions quand même. Ah, ça va. Je récupère un petit stock. C'est nickel. Alors... Toi... T'es mort. Toi, t'es mort. Et tu me donnes de XP. Enfin, tu me donnes surtout du truc pour améliorer mon épée. Regardez-moi ces combats, quoi. Regardez-moi ces combats, c'est pas sérieux tout ça. Ah merde! Ah, je suis revenu à un passage où je devais pas. Oh, c'est génial. Ah, je sens qu'on va s'amuser, les gars. Chant que là va y avoir du fun. Fun à état pur. Vous en faites pas, je suis toujours debout pour vous. Voilà. Alors lui, comment le gérer? J'ai plus de mumu, mais j'ai de la vie. C'est bien. What the fuck, mais il tire encore plus vite. Dépêche-toi de le buter, dépêche-toi de le buter. Oh, et non, j'ai rien du tout. Je retombe sur lui. Ok. Ah, je suis en mode level up, là. Je suis en mode... je vais niquer des mamans. Et je reçois moins de dégâts. C'est cool, ça. Ok, donc ça réduit les dommages. Il me faudrait un peu de vie là, par contre. Il faudrait un peu de vie, les mecs. C'est gentil, mais bon, quand même. Je tourne, je tombe en même temps que la texture. Ouah, j'ai eu chaud là. Ah, j'ai eu chaud ma race, hein. Allez, allez, yeah. Voilà, parfait. On est bien pour l'instant, on est bien. Ça a l'air vraiment difficile comme jeu en tout cas, putain. Salut Wayne. Putain, ça a pas l'air facile. Oula, ok, c'est le boss. C'est the boss. Ok, 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 c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Attends, 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 attends. C'est quoi ce bordel là? Attends, je vais me manger un bon coup, tu vas voir. Apparemment, j'aurais mal compris son pattern, forcément. À tous les coups, n'est-ce pas? Donc je reprécise encore une fois pour les nouveaux arrivants tout ça, nous sommes sur Cosmopolis Gallivan, une découverte. Découverte totale du jeu. C'est un jeu qui a l'air bien sympa en tout cas. Ok. Franchement, je m'en prends plein la gueule hein, sur le jeu. C'est un truc de malade. Ah, j'ai 60... Ah, et on pourrait vaincre le boss comme ça, les gars. On pourrait vaincre le boss comme ça avec 60 munitions, quand même. Vous en pensez quoi? Je pense qu'on a nos chances ici, quand même. Hop, on va prendre le passage ici. Je vais éviter de gaspiller mes munitions pour ça.
J'ai gâché une munition pour rien. C'est génial! Putain. Attends, ils sont tellement casse-couilleux, c'est un truc pas possible. Ouais. J'espère aussi. Alors, je suis obligé de me prendre, eh oh. Je suis obligé de me prendre ce dégât. Comment tu veux que je fasse? Ah! Donc au bourrinage ça passe, d'accord. Faudrait que je farme l'ennemi qui est ici en fait. Faudrait que je le farme pour augmenter mon arme. Ou plutôt mon armure, c'est quand même mieux. Putain, il y a forcément le verre qui me cassait un peu les couilles. Fallait pas l'oublier lui, monsieur la star du verre là. Qui m'en fait voir des verres et des pas mûrs.